Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fouedi 134. Bon, j'espère que vous allez vous abonner, vous allez mettre un petit pouce bleu. Donc je vais vous présenter le glitch solo, duplication de véhicule, le plus facile de Las Vegas. Les gars, il n'y a pas eu plus facile. Donc en premier temps, il vous faudra des Fadjo dans le garage. Donc vous remplirez autant de Fadjo que vous pouvez faire de duplication. Il vous faudra une voiture custom. Moi je vais prendre une Elegy RH8. Vous pouvez prendre tout ce qui va dans un garage, peu importe le véhicule. Ça marchera avec tout. Donc maintenant, je vais commander mon camion mock, le camion mobile. Il vous faudra un camion mobile. Donc il vous faudra le PDG, le bunker, tout ce qui va avec. Et un club de motards. Donc là, je commande mon camion mobile. Je vais mettre mon Elegy Custom Rétro dans le camion. Donc dans le module 3, il vous faudra un garage, pas un custom. C'est quelques petits paramètres qu'on a en général sur les autres glitches, donc je pense que vous les avez. Et j'espère que tout le monde va pouvoir s'acheter le camion. Donc si vous n'avez pas le camion, les gars, vous faites des braquages avec vos collègues. Vous pouvez acheter le camion en deux braquages. Donc je vous ai mis des vidéos. Comment gagner en mode élite, comment gagner avec l'hélicoptère, tout ça. Vous n'avez pas de raison de ne pas pouvoir. Donc là maintenant, j'ai mis ma voiture dans le camion. C'était le plus dur à faire. Donc c'est simple, je me mets en club de motard. Je vais avec le club de motard commander un Fadjo. Là, je suis en club de motard. Vous voyez en haut, quand vous faites pavé tactile, vous pouvez commander les motos que vous avez. Je demande un Fadjo et je rentre dans le camion. Donc je vais lancer l'activité braquage et je vais accélérer. Pour avoir l'activité braquage, il vous suffit d'avoir un appartement avec un garage 10 places. Et de lancer la première mission du braquage. Donc vous finissez la première mission et tout le temps Lester va vous demander le braquage dans le téléphone. Et vous aurez cette activité dans le téléphone. Voilà. Donc là, dès que j'ai appuyé Lester, j'avais le message pour valider. J'ai validé et j'ai accéléré en même temps. Donc vous voyez, ça m'a bugué, ça m'a pas mis au braquage. Là maintenant, pour faire apparaître le véhicule, je vais faire une mission Martin. Et dès que je serai dans cette mission Martin, je la quitte. Et là, mon véhicule, il va se réapparaître à côté de moi. Donc au début, on a fait bugger le véhicule sous la map. Et ensuite, on va rapprocher le véhicule. Voilà, c'est en deux étapes. Donc respectez bien les deux étapes. Je vais vous le refaire deux fois. Comme ça, c'est sûr que tout le monde pourra réussir. Donc le braquage, pour l'avoir dans le téléphone, il vous faut réussir une première préparation ou avoir gardé votre braquage final. Peu importe. Donc là, on va recommencer. Là, cette duplication, obligatoirement, vous allez la mettre dans le camion. Ce qui va remplacer l'original. Si vous les mettez dans vos garages, elles seront perdues. Vous aurez des Fadjo. Donc finissez le glitch en la rentrant dans le camion. Voyez là, il vous dit les dépôts de le camion, il est plein. Là, vous faites un échange. Donc là, votre voiture originale, elle va au Fadjo. Et vous, là, vous avez la duplication. Donc là, on va recommencer. Donc vous pouvez enchaîner direct. Vous n'êtes pas bugué, rien. Ça marchera sur session sur invitation, session pour amis, session publique, toutes les sessions. Donc là, je recommande un Fadjo. Je rentre dans le camion. Je rentre dans ma voiture. Je sors mon téléphone. Et je prépare le braquage. Vous voyez, je clique une première fois. Hop. J'ai juste à valider, accélérer. X, RA2. X, accélérer. Donc là, ça va me refuser dans le braquage. Je vais réapparaître à côté de mon camion. Une fois que je suis à côté de mon camion, je lance une mission Martin. Vous voyez, ce glitch, il va très vite. Hein. Toutes les 1 minute 50, vous allez faire une duplication. Donc franchement, gros big up à José. Vous savez que c'est José qui a créé le glitch. Donc je vous mets la description de sa chaîne en description. J'espère que vous allez aller vous abonner, les gars. Vous allez le soutenir et il a plein d'autres glitches qui va finir. Donc ils sont pas finis, ils sont en préparation. Et il va nous régaler. Déjà celui-là, vous voyez, déjà c'est le deuxième jour. Donc là, profitez-en bien. Et on vous trouve d'autres glitches solo, les gars. Donc là, j'ai appelé Martin, je vais chercher ma duplication et je la rentre dans le camion, obligatoire.
Donc là, franchement, c'est le glitch qui a été le plus facile depuis que je fais YouTube, hein. Regardez, j'ai 380 vidéos sur ma chaîne. C'est le plus facile qui existe. Voilà. Franchement, bravo à lui. Et tous ceux qui récupèrent la vidéo, j'espère que vous allez lui faire un petit big up parce que c'est un nouveau sur YouTube. Il faudrait l'aider. Voilà. Le soutenir, ça vous coûte rien. Vous abonner, ils partent pas. Voilà, il y en a plein qui ont pris la vidéo, ils ont pas mis la description de José dans leur chaîne. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Sur un gros youtubeur, on s'en fout. Mais un petit comme ça qui trouvait un glitch aussi terrible, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc là, je remonte dans le véhicule. Je reprends mon braquage. Là, vous voyez, l'écran, juste à valider. X, accélération. Faites-le calmement. Évitez de le faire avec plusieurs joueurs dans la même session. Parce que ça bug. Vous allez recevoir vos véhicules dans les autres garages. Vous allez avoir du mal. Donc le mieux, vous mettez sur session, sur invitation, seul. Et vous envoyez du bois. Voilà, un gros big up aussi aux 2000 abonnés, les gars. On a passé les 2000 abonnés. C'est un truc de fou. Je suis trop content. En plus, 2000 gens hyper actifs. La plupart, je les ai en amis. Sur le GTA, franchement, c'est le kiff. Franchement, vous m'avez fait kiffer, les gars. Vos commentaires à José et tout, José, il est comme un fou. Il me dit, Fouedi, j'ai des commentaires. Il est trop heureux. Franchement, vous m'avez régalé. Voilà, moi, j'ai mon objectif. Vous voyez, il nous a donné un glitch. J'ai dit, patientez un peu. On va te faire connaître. Tu mérites, c'est à toi. C'est ton bien, ça. C'est un souvenir à vie. Voilà. Là, vous l'avez fait kiffer à vie. Comme lui. Lui aussi, il vous a fait kiffer à vie. Quand vous allez faire 100 millions, là, vous penserez toujours à lui, moi, je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup de glitch, à part Tuto Facile France, qui vous rapporte autant d'argent, les gars. Là, on va aller la vendre, celle-là. On va voir combien ça rapporte. Donc les Elegy Custom Retro, c'est 950, entre 950 970 000 dollars. C'est énorme. Profitez-en bien. Donc dans ma chaîne, les gars, abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire. Allez voir José. Vous avez des vidéos là qui sont toujours opérationnelles. Donc vous avez être invisible sur la map avec les armes. Et vous allez voir les joueurs, vous pouvez les tuer. Vous avez... Ne pas tomber en moto, donc être invincible sur la moto, genre, vous prenez l'oppressor, jamais vous tombez de la moto. Il est excellent ce glitch. Ces deux petits glitches tuants. Je compte sur vous, parlez-en autour de vous un peu. Voilà, tous vos collègues, dites-leur, Fouedi 134 sur YouTube. Il est là, il va vous sortir d'autres petits glitches. Même si celui-là, il va vous enrichir à fond. J'espère que vous allez quand même regarder mes petits glitches. Parce que là, je pense qu'avec celui-là, vous n'aurez plus jamais besoin d'argent. Voilà. Grâce à José. Don José. Allez, passez dans la description. Abonnez-vous à José. Je vous fais des grosses bises, les gars. À bientôt. Ciao, ciao.